Bonjour, je suis Colline Ruiz-Darras et j'ai l'honneur de vous présenter la toute première publication de la plateforme Ouna. Elle traite des échanges linguistiques, graphiques et culturels de la Méditerranée antique et rassemble une dizaine d'articles écrits par les plus grands spécialistes des langues et épigraphies d'attestation fragmentaire. Ces langues, ce sont celles qui existaient autour et avec le latin et le grec. Elles sont souvent méconnues, mais on pourra trouver dans ce livre des articles sur le phénicien, le lycien, l'étrusque, le sabellique, le démotique, le copte, le dace ou encore le gaulois et l'ibère. Nous nous sommes demandé comment s'écrit l'autre. C'est le titre. Comment, quand deux personnes se rencontrent, l'un écrit le nom de l'autre dans sa langue ou dans son système graphique? En se posant cette question pour l'Antiquité, on touche au phénomène de bilinguisme, de bigraphisme, mais aussi aux échanges tout court, au moment exact de la rencontre entre deux univers, deux individus, deux mondes. Cet ouvrage, c'est l'occasion d'explorer la diversité et la complexité des langues anciennes, de montrer les enchevêtrements d'idiomes, d'écritures dans l'espace méditerranéen, qui, hier comme aujourd'hui, regorge de richesses et de rencontres. Nous avons fait le choix d'une publication numérique, car les progrès sur les langues d'attestation fragmentaire sont rapides. Chaque année, de nouvelles informations viennent se rajouter au puzzle linguistique et épigraphique qu'il nous faut reconstituer. Si les découvertes sont pas très spectaculaires, souvent c'est un simple graphique maladroit sur un tesson, elles portent en elles en revanche des informations scientifiques capitales qui contribuent à une meilleure compréhension de l'ensemble du système. Et une publication rapide, diffusable facilement, souple, c'est ce qui nous a semblé le plus logique pour que nos réflexions rencontrent à leur tour le plus de lecteurs. Cet ouvrage, c'est un jalon vers de nouvelles recherches dans le domaine des échanges culturels et linguistiques du monde antique. Bonne lecture !